Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Ici, c'est Investir chez nous. Nous parlons de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Et si c'est pour ta première fois sur cette chaîne, nous te demandons de cliquer sur la cloche, de t'abonner et aussi vraiment de partager cette vidéo massivement. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous devons nous préparer pour l'arrivée de 2022. Alors, en tant qu'entrepreneur, nous devons voir comment nous devons commencer à nous préparer en avance pour l'arrivée de 2022. Alors, vraiment, partage cette vidéo, clique sur la cloche, abonne-toi et partage cette vidéo pour que plusieurs de gens puissent vraiment en savoir sur cette chaîne. Alors, comme groupe, par exemple, et comme équipe, bien situé, bien comme individuel, tu dois savoir comment préparer l'année prochaine 3 mois en avance. Donc, tu dois déjà avoir un projet. Comment tu pourras attaquer tes investissements pour l'année prochaine. Alors, ici, nous voulons vous montrer comment vous pouvez les faire facilement. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter vraiment des stratégies et des techniques. Alors, qu'est-ce que tu dois faire premièrement? Tu dois d'abord faire un bilan de l'année 2021. Tu dois vraiment voir tout ce que tu as fait comme entreprise ou bien comme business, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Deuxièmement, tu dois voir aussi sur ta liste de 2021, c'est les business dont tu avais à planifier, à accomplir ou bien à faire. Tu vois ce dont tu n'as pas accompli à faire. Comme ça, tu pourras aider ce business à être réalisé l'année 2022. Alors, premièrement, quand tu fais cette liste, tu dois savoir, par exemple, tu te dis, quelles raisons, c'est quoi, c'est des raisons pour lesquelles tu n'as pas réussi au business dont tu t'es lancé. OK? Et deuxièmement, tu dois écrire ces raisons et savoir comment les résoudre l'année prochaine. Et pour les business dont tu n'as pas pu lancer, tu dois savoir écrire aussi et dire c'était quoi les raisons pour lesquelles tu n'as pas pu lancer ce business. Et sans pour autant oublier, le troisième business, c'est le business dont tu as réussi, donc que tu as lancé en Afrique, ou là où tu es, et que ce business a été business à succès. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton papier et bic et tu écris toutes les précautions ou bien toutes les précautions que tu avais prises avant de lancer ce business-là. Pourquoi ce business-là a réussi? Pourquoi ce business-là a trouvé du succès? Donc, tu vas prendre les leçons que tu as appliquées pour que ce business puisse être un succès et tu vas les écrire aussi sur un carnet. Alors, ici, nous avons parlé des 3 étapes. Première étape, c'est d'abord d'écrire les business dont tu avais commencé cette année 2021 et que tu as échoué. Et deuxième étape, c'est d'écrire les business dont tu avais en tête de lancer en 2021 et tu n'as pas lancé. Et troisième étape, c'est les business dont tu as lancé en 2021 ou tout ce que tu as fait, activité dont tu as fait en 2021 qui avait réussi ou bien qui a vraiment donné de bons revenus. Tu écris ça aussi en bas, sur un papier. Et par après, quand tu auras fini, n'oublions pas que pour l'année 2022, nous devons aussi ajouter des business à lancer. Alors, avec ces 3 points ici que nous venons d'énumérer, ça va nous donner maintenant la capacité de savoir quelle sorte de business nous devons ajouter ou bien nous devons faire l'année qui arrive. Donc, je vous promets déjà que je vais vous lancer aussi quelques business à lancer pour l'année 2022 bientôt sur notre chaîne. Alors, ici, après avoir mis tous ces points sur papier, alors maintenant, là, tu vas faire maintenant l'examen des consciences. Tu reviens maintenant sur ce que tu as, sur les échecs que tu as reçus sur cette année. Premièrement, si c'était des échecs lié au partenariat avec des amis, avec la famille, tu dois arrêter avec ces partenariats. Deuxièmement, si c'était des échecs qui a causé ce business, c'était lié par exemple à une stratégie mauvaise que tu as appliquée. Tu dois arrêter avec cette stratégie. Par exemple, une stratégie de marketing, une stratégie par exemple de sélection d'endroits pour ton business. Tu dois savoir comment améliorer. Et si c'était la faute était à toi, tu t'es pas donné, tu n'étais pas comment dirais-je, tu n'étais pas concentré sur le business, tu dois apprendre de cela. Ça, c'est pour les business qui ont échoué. Alors, nous allons passer maintenant
au business dont tu n'as pas lancé, donc le business dont tu avais écrit sur papier pour 2021, mais tu n'as pas pu lancer. Alors, tu dois te demander pourquoi tu n'as pas pu lancer ce business-là. Si c'était à cause du financement, alors revois les stratégies de financement, comment tu peux financer tes projets. Trouve quelqu'un qui peut t'aider comment financer un projet. Donc revois tes stratégies de financement, ça va vraiment beaucoup t'aider à lancer un projet vraiment sans pour autant à lancer un projet facilement sans pour autant avoir un problème de financement. Ça, c'est vraiment très capital. Donc le financement est très capital. Donc si c'était un problème de financement, si c'était un problème de l'environnement, de ton entourage, tu n'étais pas, de ton entourage ne te permettait pas de te rencontrer avec des gens importants pour propulser ton idée. Si c'était aussi question de manque d'informations, alors c'est maintenant là dont tu dois commencer à travailler, à résoudre ces problèmes avant même de penser quel business lancer en 2022. Donc, très très important ce que je suis en train de dire. Dans le troisième point, c'était le business donc qui a réussi et qui t'a donné un peu de l'espoir. Alors, revois ce business-là. Revois c'est quelle stratégie que tu as utilisée. Si tu as et tu as fonctionné avec ce business, tu étais seul, tu n'avais pas de partenaires. Donc, ça, c'est un bon point. Si par exemple, tu avais aussi des partenaires et que ces partenaires sont des bons partenaires, regarde les critères de ces partenaires-là. Enfin, que quand tu vas commencer à chercher d'autres partenaires, que ces partenaires puissent avoir les mêmes critères. Ou bien, regarde si tu peux encore initier un autre budget ou un autre projet dont tu pourras inviter ces mêmes partenaires à venir te rejoindre pour travailler ensemble. Car on dit toujours, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Donc, ça, c'est vraiment aussi très capital. Alors, quand maintenant tu vas maintenant comment paraphraser ou bien écrire tous ces points-là sur un carnet, maintenant tu pourras maintenant voir quel business lancer en 2022. Quel business tu as la possibilité de lancer ou bien quel business dont tu peux lancer en 2022. Pourquoi? Parce que tu pourras maintenant voir tes erreurs et tu pourras voir tes faiblesses et aussi tes forces. À partir de cela, tu pourras maintenant dire, OK, moi, j'ai vu que j'ai échoué ici. J'ai échoué ici parce que je ne suis pas fort dans ça. Peut-être que je suis fort à X ou à Y. C'est à X dont je vais me lancer. Ou je vais me lancer à X, à Y, mais j'étais pas fort à Y, mais je dois prendre des formations et où je dois avoir un mentor qui va m'aider, m'orienter à ces projets-là. Ça, c'est très, très important. Avoir un mentor pour ton projet, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses projets et qui connaît les difficultés, connaît comment résoudre ses problèmes. Ces derniers temps, ce n'est plus difficile de trouver un mentor. Sur YouTube, tu peux trouver un mentor. Par exemple, investir chez nous. Nous offrons des formations et aussi de mentorship. Donc, les cours pour. Nous offrons aussi des possibilités d'être des mentors pour des personnes qui veulent commencer des business dont nous avons déjà fait avec succès. Alors, tu peux nous contacter sur nos inbox ou bien sur WhatsApp. Nous serons ravis d'être ton mentor et surtout t'orienter à réussir dans ton prochain business pour 2022. Donc, la prochaine fois que je vais faire une autre vidéo, nous allons parler de quelques business qui seront vraiment très bien à lancer en 2022. Mais nous allons faire cela, ça sera grâce à l'atmosphère de l'année, de la fin 2021. Par exemple, nous avons vu qu'en 2021, il y a beaucoup de produits, mais comment, des produits médicaux qui sont lancés et qui se vendent rapidement. Par exemple, des produits aussi de protection comme les masques, les gants et aussi les savons. Alors, ce sont parmi les façons dont nous pouvons développer et conclure à quel projet lancer en 2022 et qui va vraiment avoir de l'ampleur. Mais d'abord, avant que je puisse faire cette vidéo sur les business, les très bons business à lancer en 2022, j'aimerais que vous puissiez vraiment revoir ces trois points-là. Premièrement, quels sont les business dont vous avez lancé en 2021 qui a échoué? Deuxièmement, quels sont les business dont vous avez sur les programmes, mais vous n'avez pas pu les lancer en 2021? Et troisièmement, quels sont les business que vous avez lancés en 2021 et que ces business a connu des succès? Mais sans oublier aussi, dans cette chaîne aussi, il y a encore des gens qui ne sont même pas dans ces trois points-là.
qui n'avaient même pas lancé un business en 2021, qui n'ont même pas lancé un business qui a réussi ou bien qui a échoué. Alors pour vous, j'aimerais vous dire ceci. Si vous avez, c'est pour votre première fois que vous avez suivi à cette chaîne Investir chez nous, je vous demanderai d'abord de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer des prochaines vidéos. Et regardez sur notre chaîne, nous avons plus de 250 vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Investir chez nous a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique et aussi d'aider les Africains, les orientés à trouver des business à lancer en Afrique. Nous avons dit les rêves africains sont plus grands que les rêves américains maintenant. Alors, nous devons voir les Africains créer des business et créer des emplois en Afrique. Alors, pour toi qui n'as pas encore eu l'opportunité dans ces trois points-là, regarde nos vidéos, trouve-toi des business. Nous avons encore 3 mois pour l'année 2021. Tu peux toujours lancer quelque chose et faire ces bilans vers la fin de l'année. Alors, si tu es intéressé à notre chaîne, te demandons de partager, de t'abonner, de cliquer sur la cloche. Et si tu es intéressé aussi à nous voir faire une vidéo sur les bons business annoncés en 2022, fais commentaire, laisse-nous des commentaires que je suis intéressé. Ça va nous encourager de vous faire cette vidéo avec de très très bonnes idées pour 2022. Alors, si cette vidéo t'a aussi plu, alors nous te demandons de laisser le commentaire et aussi de partager cette vidéo massivement. Et nous vous remercions, nous allons nous voir prochainement.